valorisation de la première ressource nationale, qui détermine plus de la moitié des revenus de ce pays, qui détermine les revenus des compagnies, qui détermine la qualité du retour sur investissement. C'est un élément dans lequel nous devions être totalement solidaires. C'est notre intérêt à tous que les bruits congolais soient les mieux valorisés. Ici, très chers enfants de la FMC, très chères sœurs de l'OFC, très chers citoyens, citoyennes d'Olombo, tout Olombo. Avait été dit ici par la voix la plus appropriée, celle du Premier ministre, a mis en place un plan d'action d'urgence. Ce plan d'action d'urgence porte sur les trois piliers de solution. Le premier pilier, c'est constituer en urgence les stocks. Donc je voudrais qu'on la félicite non seulement parce qu'elle est lauréate, mais surtout parce qu'elle a fait la mention très bien. Et... le vœu qu'à l'issue de ces trois jours d'intense activité mais aussi de loisirs pour le troisième jour soit consolidé au sein de l'Afrique un secteur pétrolier résilient, performant, mais surtout en syntonie avec les attentes des populations des différents pays concernés. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention.